en perte de vitesse depuis les révélations sur ses propos sexistes dans une vidéo de 2005. Donald Trump a lui multiplié les attaques tous azimuts contre son propre camp d'abord, accusé de manquer de loyauté. Plus de 160 leaders républicains l'ont désavoué depuis le début de la campagne présidentielle. Il s'en est pris ensuite à Hillary Clinton. La messagerie du directeur de campagne de la candidate démocrate a été piratée. Ces emails ont été publiés par WikiLeaks, des emails qui confirment ce que nous savons depuis longtemps, a dit Donald Trump. Hillary Clinton est le porte-conteneur d'un establishment corrompu qui dévalise notre pays et abandonne la souveraineté de notre nation. Les démocrates accusent l'équipe de campagne de Donald Trump d'être responsable de ce piratage d'emails via Moscou et Julian Assange. Une équipe toujours plus offensive qui ne recule devant rien. Elle a publié cette vidéo censée dénoncer la fragilité de l'état de santé d'Hillary Clinton ainsi que son incompétence au plan international, à grand renfort de musique anxiogène, de défilés nord-coréens et d'images d'exécution. I'm Donald Trump and I approve this message.